La première chose, jambo la kwanza, il leur dit ceci. Aliwaambia hivi. Nous allons lire dans Exode 8. Tutasoma katika Kutoka 8:24. 8:24. Mnane makumbili na ine. Je vais lire. Nitasoma. Tu peux interpréter. Okay, tu as trouvé? Yes. Très bien. Okay. Merci papa. Bwana akafanya hivi. L'Éternel fit ainsi. Makundi mazito ya mainzi yataingia nyumbani mwa Farao. Na nyumbani mwa watumishi wake. Na inchi yote katika inchi ya Misri ikaharibika kwa sababu ya makundi ya inzi. Okay. Ça, ce sont des mouches venimeuses. On y va. 25. Farao akaita Musa na Haruni akasema. Kwendeni mutole Mungu wenu zabihu inchini. Musa akasema. Haifai sisi kufanya hivi. Kwa kuwa tutatolea Bwana Mungu wetu chukizo la wa Misri. Tazama, tukitoa chukizo la wa Misri mbele ya macho yao, hawata tupiga na mawe. Tutakwenda safari ya siku tatu jangwani, na kutolea Bwana Mungu wetu zabihu kama alivyo tuagiza. Farao akasema, nitawaruhusu ninyi kwenda kutolea Bwana Mungu wenu zabihu jangwani. Lakini hamutakwenda mbali sana. Muniombeye. Ouais. Yes. Est-ce que il y a quelqu'un qui attend un piège? Munapata mule mtego. Amen, amen. Soyez très malin, écoutez. Mouena akili. Allez. Eti, mwende. Mais, lakini, ne dépassez pas les pays. Musivuke mipaka ya inchi. Mais quel était l'objectif? Ilikuwa ni kwa shabaha gani? C'est partir pour de bon. Ilikuwa ni kwenda lote. Maintenant, lui leur dit, sasa, Farao akawaambia, écoutez les amis, sikia wa rafiki, le pays est très grand ici, inchi ni kubwa hapa, allez offrir ici. Mwende mutoleza bihapa. Faites vos adorations dans le pays. Mufanye ibada yenu inchini. Ne dépassez pas les frontières. Musivuke mipaka ya inchi. Le pays est très grand. Inchi iko kubwa. Faites-le ici. Mufanye zabihu yenu hapa. Comme vous voulez adorer votre Dieu. Comme vous voulez adorer votre Dieu. Kama alivyo wagiza Mungu wenu. Faites-le ici. Hein? Faites-le ici. Mufanye hapa. Mais n'allez pas là-bas très loin. Musiende kule mbali. Il leur dit ceci. Akawaambia hivi. Moi, mimi, je vais vous laisser aller. Nitawaruhusu mwende. Le faire. Wandou. Moïse lui dit pas question. Musa kasema pana. Nous quand on sera en train d'offrir, si tutakapokuwa tukitoa, les Égyptiens vont nous tuer. Wa Misri watatuua. Parce que ce que nous faisons, maana vyenye tunafanya, pour eux c'est sale. Kwao ni uchafu. Nos adorations pourraient sembler être bizarres. Ibada yetu haita eleweka kwao. Quand nous verrons tuer des brebis, tutakapoua wanyama, verser le sang, kumwangie damu, et faire des choses comme si nous sommes en train de prier un Dieu qui n'est pas visible. Tufanye mambo kama vile tunaomba Mungu asionekane. Alors que ton peuple et les Égyptiens, ils ont des petits dieux qui les voient comme ça. Na watu wako na wa Misri wana miungu yao ambayo wanaona hivi. Ils nous tueront. Watatuua. Nous, on n'a pas besoin de le faire dans ton pays ici. Sisi hatutaki tuangamie mwa inchi yako. En d'autres termes, nous ne voulons pas le faire dans votre pays. Kwa maneno mengine, hatutaifanyizia mwa inchi yako. En d'autres termes, kwa maneno mengine, ne pas quitter le diable, lui tromper que je pars tout en restant encore sur son territoire. Sitadanganya shetani kwamba nimemwacha na ningaliki budongo yake. Non. Si je quitte, je pars. Nikitoka ni kwenda. Je ne vais pas tromper que j'ai été sauvé tout en rentrant chez les prostituées. Non. Sitafikiria kwamba niliokoka na ningali naenda kuambaraka pana. Non, je ne vais pas tromper. Que j'ai été sauvé, je rentre encore fumer là où j'ai l'habitude d'aller fumer. Non. Quand je quitte, c'est quitter son territoire. Alors qui ne me mente pas en disant, qui ne me trompe pas en disant, faites-le ici comme ça, faites-le ici. Kama tulikamata msimamo wa kuokoka. You go. Kama tulikamata msimamo wa kuokoka. Si nous avons pris la décision d'être sauvés. C'est pour quitter.
Ni kutoka ni kwenda mzuri. C'est partir du bon. Tusibakie kubulongo ya shetani. Que nous puissions plus rester sur le sol du diable. Hatupashwi danganya. Faut pas qu'on se trompe. Kutuliokoka. Nous avons été sauvés. Tena batukutane pale pale kwenye tulikuwa tunazoea enda. Hapana. Nous nous rencontrons au même endroit où nous étions habitués. Il faut kwenye tulizoea na bayue kama tulishaka toka. Amen. Que là où nous étions habitués, que les gens sachent que nous étions. Kwenye tulikunya pombe basi tuone tena. Là où nous avons bu la boisson. Kwenye tulichezia muziki basi tuone. Là où nous avons dansé la musique, ils ne nous voient plus. Bambaraga tulizoea bakuwa banatuliza uliendaka wapi? Les prostituées auxquelles nous étions habitués qu'ils nous posent des questions où. Kwenye tulizoea kunya mabiere banze tuambia seme mbone haukuyake kunya chupa. Où nous étions habitués pour prendre la boisson qu'on puisse nous demander tu ne viens plus pourquoi? Mais hapana shetani akwambie. Mais pas que le diable te dise. Uende abudu. Va adorer. Mais ubakie tu hapa hapa. Mais reste encore ici. Ukwe naenda mukanisa. Tu peux aller à l'église. Mais après ibada urudia tu tuendeleshe vile vyetu. Haiko wokovu. Ce n'est pas le salut. Retenez le premier point. Mushike yo pointi ya kwanza. Ya kwanza muibane mzuri. Tenez bien, retenez le premier point. Mpango wa shetani ni kuwafanya wa Kristo waenda kanisani. Le plan du diable c'est de faire les gens être seulement les de fréquenter l'église. Waende wa umash. Allez juste ba intercesseur. Il des intercesseurs. Watu wa maombi. Les gens qui prient beaucoup. Batu bakuenda kumurago. Les gens qui passent la nuit au nat. Batu bakuenda kumukeka. Les gens qui partent au nat. Lakini na bangali tu mu territoire ya Satan. Mais ils restent toujours dans le territoire du diable. Après ibada utabakutana pale pale kwenye banazoyaka kuwa tu. Après le culte vous les rencontrerez toujours au même lieu où ils sont habitués. Jo ilikuwa piège ya Satan. C'est ce qui était le piège du diable. Or wakati Mungu anakuita. Mais quand Dieu t'a anapendaka utoke malote. Amen, amen, amen. Puis sortir totalement. Amen. Amen. Akikuita. Quand il t'appelle. Ni malote. Il veut que tu sortes. Frère Branham anasema mkitabu kinaitwa Israël et l'Égypte. Frère Branham dit dans la brochure qui parle d'Israël en Égypte. Anasema hivi mkifransa. Il dit ceci en français. Maintenant. Et ça ça. Ceci peut être très fort. Hiyaweza kuwa ngumu sana. Et je voudrais que vous y fassiez attention. Na napenda muwe chonjo sana. Immédiatement après le choix. Papo hapo una Mungu anapokuja kukuchagua. L'élection. Kukuchagua. C'est la séparation d'avec toute autre chose dès qu'il appelle. Ni kujitenga na mambo yote wakati tu umeitwa. Il choisit. Anakuchagua. Et appelle. Anakuita. Alors lorsqu'il appelle. Sasa wakati anaita. Il vous sépare de toutes choses qui s'accrochent à vous. Anakutenganisha na kila kitu kinachokuselele mbako. Alama. Le signe ya kwamba Mungu anakujua. Ndio Dieu te connaît. Alama. Le signe ya kwamba Mungu anakupenda. Que Dieu t'aime. Alama ya kwamba Mungu alikuandaliaka kunyakuliwa. Le signe que Dieu t'a prédestiné pour l'enlèvement. Alama ya kwamba uko mteule. Le signe que tu es un élu. Haiko kuingia mkanisa. Hapana. No. Bana. No. Haiko kupewa ministeri aseme nilishakuwa evangeliste. Hapana. Ce n'est pas qu'on puisse un ministère que tu deviennes évangéliste. Hapana. No. Haiko kupewa gitare pale. C'est pas qu'on te donne la guitare. Unakuwa na tuchezea gitare mweli betele tunaingia mupako. Pour que tu nous joues là à la guitare et que nous entrions dans l'onction. Hiyo ni vipawa vyenye meme na mapepo zinaweza kuwa navyo. Amen. Ce sont des dons que même les démons peuvent avoir. Amen. Sasa hii meme gitari kuna tuimbisha hapa ile meme gitari kule ku stade de l'Unité le soir itaimbisha bakunya pombe nabo batengia mupako ya kucheza nabo batacheza tu luabo. Amen. C'est la même guitare qu'on joue ici qui sera même aussi jouée au stade de l'Unité quand les buveurs seront en train de danser. Hii sauti niko napaza hapa. Cette même voix qui est en train uko de sortir. Ba politiciens ba hatari bakipanda ku podium banasema kunishinda. Ndio. Même les politiciens qui donc quand ils montent sur le podium quand ils parlent vous sentez qu'ils vivent. Na bana convaincre la population ina ba voter. Amen. Ils ont oui, oui. Nani va frapper. Amen. Ils sont des frappeurs. Oui. Alama ya kujulikana na Mungu. Le signe d'être connu par Dieu. Alama ya wokovu mkamilifu. Le signe du salut parfait. Alama ya uteule. Le signe de l'élection. Anapomaliza kuchagua. Quand il finit à te choisir. Anapomaliza kukuita. Quand il finit à t'appeler. Umesema ndio mimi nakuja. Tu as dit oui, je viens. Peke unafika kwa Mungu. Amen. Tu arrives chez Dieu. Unakuwaka uko na vitu mingi vinakuselele mbako. Tu as des choses qui s'accrochent sur toi. Mtu aokokake na mekamilifu. Anaokokaka na kuna vyenye vinamuselele mbako. La personne qui a été sauvée est parfaite. Quand il est sauvé, il vient toujours avec des choses. Bongo.
Tu as les mensonges. Ta main. Tu as le hasira. La colère. Oui, vous. La jalousie. Ta main y a pombe. Le désir de ta main y a banamuke. Le désir des femmes. Et autre chose que vous connaissez. Amen. Preuve kama uko mteule. La preuve que tu es un élu. Anapokuita. Quand il t'appelle. Kazi ya kwanza nafanya. La première chose qu'il fait. Chomola kobiote mwenye bilikuya na binafuselele mba. Il commence à te détacher de tout ce qui s'était accroché. Ukimaliza okoka. Dès que tu finis à être sauvé. Na unaendelea kuwa na vile vitu vinakuselele mbako. Dès que tu continues à être accroché sur ces choses. Tuate muda ya wokovu yako hayafika. Soit le temps de ton salut n'est pas encore arrivé. Wala uko mlaaniwa mwenye ulinjaka kanisa. Où tu es un maudit qui est entré dans une église, tu n'es pas un élu. Immédiatement après le choix. L'élection, c'est la séparation d'avec toute autre chose. Dès qu'il appelle, il choisit et appelle. Alors, lorsqu'il appelle, il sépare de toutes choses qui s'accrochent à vous. Anakutenganisha na kila kitu kinacho kuselele mbako. Amen. Njoile. C'est ça. Njoile. C'est cela. Kama tu. Si seulement. Ulisema umeokoka. Tu es sauvé. Na après kusema umeokoka. Et après avoir proclamé que au fur et à mesure que uko nakusanyika. Et au fur et à mesure que tu communies. Na vile bako banakuhubiri. Et la façon dont on te prêche. Unaweza kaa unaangalia wewe wa kale. Tu peux t'asseoir et te regarder l'homme d'avant. Na wewe wa leo après 5 ans. Et le toi-même l'homme d'aujourd'hui après. Wewe wa leo nyuma ya miaka mitatu. Toi là après 3 ans. Uvumule kama kuko bitu fulani biko binakutoka mo. Et que tu ne découvres pas qu'il y a des choses qui sont en train de sortir sur toi. Uvumule kama kuna byenye biko binakutoka ko. Que tu découvres qu'il y a des choses qui sont en train de sortir sur toi. Même si haitakuwa vyote limoya. Amen. Ça ne sortira pas tout au même moment. Mais uhakikisho ya kwamba kuna vitu vinachomoka. Mais que tu sois convaincu qu'il y a des choses qui sont en train de sortir sur toi. Ni alama ya kwamba uko katika mpango wa Mungu. C'est le signe que tu es dans le plan de Dieu. Mais ukivumbula. Mais si tu découvres que malgré ma prédication. Malgré les prédications. Malgré ma ibada. Malgré les cultes. Ungali ule ule. Tu es encore le même. Kuna hata. Il y a un danger. Amen. Alors Pharaon va dire. Alors fuit à c'est moi. Pas de souci. Pas de souci. Kuna shida. Mes amis. Rafiki. Vous pouvez aller. Waweza enda. Vous pouvez partir. Bon, munaweza enda. Allez adorer. Mwende abudu. Mais ici. Lakini hapa muinchi. Dans le pays. Mon inch. Je ne veux pas vous écouter dire que vous avez traversé. Sita kinisikia kwamba mulivuka mipaka. Faites tout ici. Mufanye vyote. Et je vous ai lu le verset. Pharaon dit. Pharaon kase. Exode 8:28. Kutoka 8:28. Je vous laisserai aller. Nitawacha mwende. Pour offrir l'Éternel. Ili mutole Mungu. Votre Dieu des sacrifices dans le désert. Bwana Mungu wenu zabihu jangwani. Seulement. Ila tu. Ne vous éloignez, vous ne vous éloignerez pas. Muhamuta enda mbali. En y allant. Munapoenda. Priez pour moi. Na muniombeye. Hypocrisie. Priez pour moi. Na munapoenda kule muniombeye. Ba muombea okoke. Ce qu'on a dit d'être sauvé. Oui, naenda mkanisa. Il faut aller à l'église. Omba. Prie. Funga. Jeune. Hivi vya kusema seme mtu iko na mahiriza na zileta mazulungu za pana. C'est que quelqu'un a des gris-gris qu'on les amène pour les briller. Non. Bata kupiga radi. On va t'envoyer une. Kale njoka protection ka. Ukona waza maombi tu ayo peki na saidi yako. Et c'est là ta protection. Toi tu crois que seulement la prière suffit. Unaona mtu anakusanyika kame hiriza. Vous allez voir quelqu'un qui communique. Al chaka banana nazo na mutamuzika kana iko nazo. Mimi mwenda kanisa. Accroché sur là et vous allez l'enterrer avec cela. Alikwama ku stratégie ya kwanza ya Satan. Amen. Il a été bloqué à la première stratégie. Munaona mtu anaokoka. Vous allez voir quelqu'un être sauvé. Bien sauvé. Mais bali mubania face fulani. Mais on l'a attrapé quelque part. Ye ya kiona la. Lui quand il voit seulement l'argent. Anaweza kutia na kisu. Amen. Il peut même te mettre un couteau. Hawezi enda mbali ya franga. Lui ne peut pas aller loin de l'argent. Mwingine naokoka. L'autre est sauvé. Mais. Mwanamke asimushonge. Mais. Que la femme ne soit pas à côté de lui. Non. Hapana. Non. Kusirku. Ne
Yeye donko lisasi yake hailalake mubunduki. Donc lui, sa cartouche ne dort pas dans son arme. Non. Bali muruhusu kwenda omba. On lui a permis d'aller prier. Mais sataka mwambia. Mais le diable lui a. Usivuke pale. Mais ne traverse pas. Wende meurudie uendeleshe byako. Va là-bas et rentre pour que tu puisses continuer avec tes affaires. Mwengine naokoka. L'autre est sauvé. Na unamwenda kwenda kanisani. Et il est vraiment quelqu'un qui peut. Baki kupatia histoire ya vile bibi iko mwa ile bunyumba. Quand on vous donne l'histoire, comment est-ce que sa femme est en train de vivre dans son foyer? Bibi akikala akuelezeye maneno wanamutukanaka, qu'elle vous raconte les mots dont l'injurie, akuelezeye habari za bwana, qu'elle vous raconte l'histoire de son mari. Bila naweza anza sema saa 2 na inafika 2h du matin ngani natukana bibi na batoto. Le mari peut injurier la femme et les enfants depuis 8h jusqu'à 2h du matin. Na vila naweza batupa inje na naweza lalisha bibi inje na nafunga mulango na munalia mko inje na bambia mulale pale ni juna masimba hazikuweka nasema na masimba hazikuzingele. La façon dont il vous jette dehors les enfants et les femmes, et il dit dormez même là-bas, et c'est parce que les lions ne sont pas ici, ils pouvaient même vous dévorer là-bas, c'est pas mon problème. Bibi anakuambia, et la femme vous dit njo munamonaka mukazi, c'est vous qui les voyez dans le bunyumba. Moi qui suis dans ces foyers, maneno nina supporté, les mots que je supporte, maneno nina ambiliwa, les mots qu'on me dit, pasteur. Pasteur. Bibi analia. Et vous voyez la femme pleurer. Na iko nalia. Elle est en train de pleurer. Na mwenye iko naacha nalia ni mtu wa kanisa. Haiko ata païen. Et l'homme qui le laisse pleurer, c'est quelqu'un qui fréquente l'église, ce n'est même pas un païen. Amen. Alléluia. Amen. Tu anaenda kanisani? Quelqu'un fréquente l'église? Anatabiri? Il est en train de prophétiser. Mais butabiri yote. Mais sa prophétie. Ni juu ala. Amen. Kama uko maskini, si tu es un pauvre, hata kuprofetizera. Il ne prophétisera jamais sur toi. Non. Ni mabutabiri wenye buko taillé sur mesure. Ce sont des prophéties taillées sur mesure. Uyu ni chef de division. Celui-ci c'est un chef de division. Ule batamutabiria. Celui-là on va prophétiser. Vita mukazi. Vita kazini. Ulinzi. Plus de protéger. Sadaka ya ukingo. L'offrande de protection. Ni pauvre mwenye sina lufranga. Mais moi pauvre qui n'ai pas l'argent. Abata nitabiria juste na enveloppe ya kupana. On ne va jamais prophétiser pour moi parce que je n'ai pas l'enveloppe de protection. Amen. Na ule mutu mutamuita mkanisa ni chombo. Et cette personne vous l'appellerez dans l'église que c'est une vase. Chombo kabisa. Vase. Chombo. Vase. Utangoya. Tu vas attendre. Utangoya. Tu vas attendre. Oye maskini. Toi pauvre, jamais on ne prophétisera pas sur toi. Est-ce que toi tu as une enveloppe à donner? Toi tu as l'argent à donner pour la protection. Toi d'abord on va te protéger pourquoi? Et toi on va te protéger pourquoi? C'est pourquoi dans les rues. Ils savent même créer des histoires. Mama. Tu as un problème. Tu as un problème. Na mume wako. Avec ton mari. Sur 30 femmes mubarabara, 25 banaposha kuwa na shida na babwana, no? Sur 30 femmes dans les routes, 25. C'est possible qu'elle puisse avoir des problèmes avec les papa, mariages. Papa. Oh papa. Uko na mahitaji. Tu as besoin. Na ulisha kawa kujibiwa. Et tu as déjà. Est-ce que na mimi sinazo hapa? Est-ce que moi aussi je n'ai pas? Mimi sinazo. Amen. Est-ce que moi je n'en ai pas? Créer ma hasard. Vous croyez que moi je n'en ai pas? Bila shaka. Papa. Oh papa. Kuko ba ennemi. Il y a des ennemis. Bako mujama. Qui sont dans la famille? Sita basema. Je ne peux pas les citer. Ule mama. La maman là, la maman là. Unamuona? Tu la vois, Unaanza kuwaza venye mulikorogana mujama. Penser les personnes. Bata kuitia ba familia ke ni balozi na habana tabulozi. Amen. On va même appeler tes familles que ce sont des sorciers et ils n'ont même pas la sorcellerie. Kisha na kuachia numéro. Et puis te laisse son numéro. Utanitafuta. Tu vas me chercher. Mais ukimfuata kule kichunde. Si tu le suis là où il adore. Na yangepata kumwambia na binyu unafanyiwaka kumkeka pale na batumishi habari gani? Si pouvait avoir aussi quelqu'un qui va lui dire toi aussi ce que tu fais là sur la natte avec les serviteurs. C'est quelle histoire? Alléluia. Amen. Satan, Shetani veut maintenir des adorateurs.
veut maintenir des adorateurs à qui il donne l'autorisation d'aller à l'église, mais de ne pas aller plus loin. Allez adorer, mais n'allez pas loin. Lakini musiende mbali. Tellement qu'il sait que ce sont ces gens. Sababu anajua kuwa ni watu wake. Priez pour moi aussi. Na eti na muniombeye. Vous savez que veut dire prier pour les diables? Anajua kuombea shetani ni nini? C'est accepter de garder les péchés. Ni kukubali kuchunga zambi. Quand tu gardes un péché dans la vie, unapochunga zambi maisha, tu n'es pas différent de celui qui dit au diable soyez béni. Hautofautiane na mwenye kubariki shetani. Amen. Amina. Voilà le premier piège. Huu ndio mtego wa kwanza. Des adorateurs wa abudu ne peuvent pas aller très loin. Ambao hawawezi fika mbali. Des adorateurs watu wanao abudu qui ne peuvent pas arriver à se libérer. Ambao hawawezi fikia kujiweka huru. Des adorateurs wanaoabudu qui vont wanaoenda mais ne peuvent pas aller plus loin. Lakini hawawezi songa wafike mbali. Moïse lui a dit, Musa kamjibu, jamais. Kamwe. Je n'accepte pas. Sikubali. Nous ne sommes pas disposés. Hatuko tayari. Nous ne sommes pas disposés. Hatuko tayari. D'aller kwenda et revenir. Naturudie. S'il faut aller, ikiwa ni kwenda, c'est pour aller. Ni kwenda lote. Pas question de rester ici. Apana kubakia hapa. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Akawaambia kanini?